À la découverte de Marie-Galante, nous rencontrons M. Maïs, hôtelier à Capesterre, afin de nous faire découvrir ces cocotiers de 2 à 3 têtes. Bon, eh bien, les peuples, nous, Marie-Galante, nous toujours Marie-Galante. Et nous allons montrer encore Marie-Galante, des bichins plus rares, qui n'ont pas qu'à trouver dans toutes les îles de la Caraïbe ou de toute Caraïbe. C'est Marie-Galante, tout seul, qui a trouvé ça. C'est les pieds coco qui a porté. Soit 2 pieds coco en seul coup, soit 3 pieds coco en seul coup. Il a fait 4. Mais il n'a pas fait 4, c'est 3. C'est 3. Ah oui. Alors, on est 4 pieds de 2, à de noix coco là, noix coco là fait 2 tiges. Alors, les peuples, c'est ça, nous avons montré pieds coco là qui fait 3, 4 pieds coco. Et nous avons dit, monsieur Nicolas, monsieur Maïs, caille pieds coco là. C'est à l'étoile de mer, à Capesterre de Marie-Galante. À la cour, on a une chance des pieds coco. Ces coco-là viennent sec. À laisser et ils fait 2 tiges. C'est noir-là, il fait 2 tiges. Et à planter yo, si vous faites façon de voir qui j'ai eu, il a commencé à faire fleur déjà. Il y a même une qui fait 3 tiges. C'est formidable. Je ne sais pas si vous voyez ça. Un noir coco qui fait 3 tiges. Et vous pouvez voir ici, là, quand vous montrez les yeux, il y a une qui fait 2 tiges. C'est quand c'est un maman. Qui fait Timoun, il fait 2 jumelles. Il a fait 3 jumelles, puis Coco l'a fait pareil. Ben moi. Ici, là, il y a 4 pieds comme ça à côté ici, et il y a une devant là qui est 3 tiges. Et il commence à faire flair, il a supposé bientôt, quand il a fait flair, regardez ici, là déjà, en premier déjà, il commence à faire flair, bientôt, il y a une Coco à dingue. Et tout le monde a vu ça fort, comment faire un peigne de pieds Coco comme ça, qu'il a fait 2 tiges. À Danois là. Et Marie-Galante, je vois, c'est seul côté, j'avoue ça, c'est coco. Oui, ni Marie-Galante, ni des pieds coco à 2 têtes, mais que c'est qu'on pied l'a poussé, il arrive à faire 2 têtes. Mais si là même, il fait, elle fait 2 têtes. C'est noir là qui poussait, il fait 2 têtes à dingue. Et il y a un devant là aussi qui fait 3 têtes. Et tout le monde, quand il vient ici, il est curieux de voir ça. La étoile de nord de Capesterre. Eh bien, c'est ça qu'on appelle des miracles. Les peuples, c'est miracles. Quand oui. C'est nous là, ça nous fait bien. Et Franck est venu à Marie-Galante pour moi qui veut ça. Eh bien, qu'à souhaiter. Bonne chance à l'étoile de mer. Bonne chance à l'étoile de mer qui t'est portée. Qui t'est portée coco. Oui, oui, oui. C'est déjà en flé déjà. Et troisième là, présent, il est plus petit. Il est plus petit ici là. Il est pas tant sur le bas de ici. Ouais, j'ai bien maillé à dans Yola là et dans troisième petit qui a coco levé. Comme chien, comme cabout te mangé, il reste retardé un peu. C'est le premier là planté là, c'est ci là. C'est la noix qui a fait 3 tiges. Il a poussé bien, il n'a pas encore fait, mais il fait bientôt, il commence à faire. Je vais la partie bien, il a grossi quand même. Il a pris un temps, mais il a parti. Il a pris un temps, mais il a parti. Nous allons dire au revoir. D'accord, au revoir, monsieur Ibo. Enchanté de faire connaissance. Vous venez la première fois, vous venez à l'étoile de mer. On va supposer que vous venez dans d'autres jours. D'accord. Ok, merci.